Il y a des gens qui vont peut-être avoir les cheveux qui vont se dresser sur la tête quand ils vont m'écouter parler. Mais je crois que on peut rien faire contre le destin et qu'on a tous un destin. Et moi, je devais connaître la misère, la pauvreté, je devais connaître la vie dure pour grandir. Sinon, je serais resté un petit homme. Donc je remercie Dieu. Je le remercie de m'avoir rendu la vie très dure. Car plus la vie est dure, plus tu deviens grand. Et plus la vie est facile, et plus tu te ramollis, tu es mou. Donc je ne suis plus le même homme qu'avant. Et donc je suis très content de ça. Car j'ai découvert la pauvreté, les gens malheureux qui n'ont pas de quoi manger, les gens dans la rue qui perdent leur travail, les gens qui sont brisés à cause de l'euro, parce que l'euro a détruit plein de gens. L'euro a multiplié le coût de la vie par 10 par rapport au franc. C'est une honte. Donc j'ai découvert en fait qu'il y avait d'un côté les pauvres, les esclaves, et d'un côté les riches, et que ce monde fonctionne comme ça sur Terre. Je le sais maintenant. J'aime mon travail parce que, en fait, quand je nettoie la merde et les salissures, j'ai l'impression aussi de me laver moi-même de mes saloperies. Tu vois ? Et en même temps, je me dis que... qu'il faudrait qu'on lave le monde comme moi je le lave avec mon balai, donc il faudrait qu'il y ait un monsieur propre qui lave le monde. Donc je me dis que mon boulot, il est intéressant, il m'a fait comprendre ça. Il m'a fait comprendre qu'on devrait tout laver, en fait. Parce que je trouve que le monde, il est très sale. Moi, si tu veux, quand je me suis retrouvé à la rue, parce que je payais pas mon appartement, et donc j'avais 8000 euros de loyer de retard, bon, je suis resté effectivement 2 ans sans payer mon loyer, c'est vrai. J'ai fait une faute grave. Bon, ils m'ont foutu dehors, en plein hiver. Hein. Et là, effectivement, j'étais dehors, et il a fallu que je me débrouille. Et là, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui s'occupaient des gens qui étaient à la rue, qui leur donnaient à manger, qui leur permettaient de se laver, tout ça, leur donnaient des habits, quoi. Et là, je me suis dit, heureusement... qu'il y a des gens comme ça sur Terre, parce que sinon, je serais peut-être mort. Et donc tous les gens de la rue sont heureux de rencontrer ces gens-là, qui s'occupent de nous, qui sont merveilleux. Associations multiples, religieuses, pas religieuses, tu vois, peu importe. Mais des gens extraordinaires, qui sont là et qui veillent vraiment sur nous, quoi.